Et nous voilà déjà sur la route. Donc, on est parti de la région parisienne et puis on va à Cherbourg pour prendre le bateau qui va nous mener en Irlande. Alors, pour passer le temps, eh ben, on s'amuse avec ce petit jeu-là, texto. Donc, il a des cartes qu'on prend. Donc là, c'est une carte métier, par exemple. Et il faut qu'on trouve des métiers avec L, K ou H. Ah. Alors, sachant que déjà la dernière fois, eh ben, j'ai trouvé... La pony. J'ai trouvé huissier. Mais là, j'avoue, je suis un peu à court d'idées. Quelqu'un peut m'aider? Est-ce qu'il y a du temps? C'est un métier. Thank you.
voilà, en Irlande. Donc, ici, on est dans un Airbnb près d'une ville super jolie qui s'appelle Kinsale. Kinsale ou Kinsale, c'est une ville touristique très colorée, super connue. Voilà, c'est vraiment très touristique. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est charmant. Il y a un bras de mer qui arrive jusqu'à la ville. On peut se promener des deux côtés. Le paysage est très beau, comme d'ailleurs tous les paysages par ici. Alors, j'attends mon mari et les enfants qui sont allés au surf. Pas mon mari, les enfants, donc qui sont allés faire leur cours de surf dans une plage qui s'appelle Garrettstown. C'est une plage qui est bonne pour les débutants parce que les vagues ne sont pas fortes. Et puis, en attendant qu'ils arrivent, voilà, je suis venue vous faire un petit coucou. Quand on rentrait du surf l'autre jour, j'ai fait une merveilleuse découverte. Et on a dû s'arrêter prompto. C'était totalement inattendu et je me demande si mon ange gardien est aussi intéressé par le tricot et le crochet. Et voilà, qu'est-ce que je trouve? Ah, c'est pas grave. J'ai trouvé la boutique Olga's Home, très sympa, tout comme sa propriétaire. Le magasin est une beauté. Le rangement d'Hélène, avec toutes ses couleurs, est un spectacle pour les yeux. Et la grande table, mise au centre de la boutique, donne envie de s'installer et de tricoter ou crocheter en bonne compagnie. Avez-vous remarqué cette belle couverture au crochet? Oui, Olga crochette et tricote. C'est une passionnée. Chez Olga's Own, il y a une bonne variété de laine, des qualités et de prix pour tous les goûts. C'est une magnifique boutique et des rencontres sont organisées régulièrement. J'aimerais tellement avoir un magasin comme ça près de chez moi. Tout près de la porte, il y a une étagère avec des livres tricot et crochet. De quoi être au courant de toutes les tendances et aussi peut-être de trouver un projet. Je crois qu'elle organise des cales aussi. Et moi, je me vois bien trouver un projet dans un de ses beaux livres et puis m'installer pour tricoter les laines trouvées sur place. Aujourd'hui, je vais visiter une boutique qui s'appelle Stolen Stitches. C'est la boutique de la designeuse irlandaise Carol Feller. Carol Feller. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a des super jolis patrons et avec beaucoup de rangs raccourcis. Donc les mots me viennent en anglais, donc on dit shaping en anglais. C'est pas mise en forme, mais voilà, pour qu'il ait un beau tombé. Donc, l'avantage d'aller dans sa boutique, c'est qu'on peut discuter toutes les possibilités de remplacement de laine. Et apparemment, dans la boutique, ils ont toutes les laines nécessaires pour faire tous les patrons de Carol Feller. Alors, bien sûr, j'ai été dans le site Stolen Stitches pour regarder les patrons, pour voir ce qui me tentait de tricoter. Ce sont que des patrons en tricot. Et j'ai trouvé quelque chose de super intéressant. Notamment, il y a un pull, c'est quand même un patron qu'elle a fait depuis un petit moment. Donc, c'est un pull près du corps avec une bande de cables, de torsades devant. Et sinon, il y a aussi un gilet avec des torsades, donc à boutonner. Mais ce n'est pas un petit cardigan envoyé avec des petits boutons partout, non. C'est vraiment un gilet, donc avec une bande de boutonnage un peu plus épaisse et des boutons un peu plus espacés. Et le col, il peut s'ouvrir, créer voilà, une petite lapelle ici. Bref, j'essaie de vous mettre une incrustation
pour vous montrer. Et il y a aussi des torsades ici sur le devant, les deux, sur les deux côtés, les deux devants de la veste. Voilà, ce n'est pas tricoté avec une laine fine parce que je me dis, je n'ai pas envie de reprendre tout de suite un projet avec laine fine. J'aime bien alterner fine et épaisse pour ne pas me fatiguer d'avoir toujours la même sensation. Et aussi parce que ça va plus vite. Voilà. Donc me voilà toute excitée à l'idée d'aller visiter la boutique de Carol Feller. Et ben, il n'y a pas que elle qui travaille dans la boutique. Donc je ne sais pas sur qui je vais tomber aujourd'hui, on verra bien. Mais apparemment, ils sont de bons conseils pour choisir ses laines, etc. Sinon, jusqu'ici, ce que j'ai fait le plus pendant mon séjour en Irlande, c'est le châle Sea and Mountain version 2. C'est la version du tutoriel. Et donc, voilà, je vous montre l'avancement de mon châle. J'ai l'espoir de pouvoir le porter encore avant de rentrer en France. On verra si en arrivant à Dublin, notre dernière escale, si je porterai ce châle ou pas. Oh, je l'espère. Ça aurait pu avancer encore plus, vous le voyez. Mais il faut dire que quand je suis dans ma voiture, je veux quand même regarder le paysage. Hein. Et alors, le voyage en voiture, les voyages en voiture, à chaque fois qu'on se déplace en voiture, est-ce que vous avez déjà été en Irlande ou au Royaume-Uni? Est-ce que vous avez déjà conduit dans ces pays où on conduit de l'autre côté de la route? C'est hyper stressant. Voilà. Et du coup, j'avoue que pour l'instant, c'est mon mari qui conduit. Je suis ravie qu'il ne m'a pas demandé de prendre le volant parce que c'est bizarre, c'est une sensation bizarre, vous voyez? C'est une question, vous voyez dans le cerveau, on a la symétrie et en fait c'est symétrique, d'accord? Donc ce n'est pas une logique autre, les règles de conduite sont les mêmes mais tout à l'envers. Imaginez bien quand on arrive dans un rond-point. Hein? On est formaté pour arriver au rond-point et on regarde de quel côté avant d'arriver au rond-point, on regarde par là et on va céder le passage et puis on va aller par là. Et bien ici c'est l'inverse. Imaginez aussi une chose qui me fait peur, c'est vous avez dormi, vous levez, vous sortez le matin avec la voiture. Donc vous sortez de votre garage, votre maison. Et puis, eh ben, disons, vous voulez aller à gauche. Eh ben, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On va croiser la route et on va prendre la gauche. Eh ben, pas ici. Donc, en fait, on va sortir et il faut se mettre du côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand on va à gauche en France, on va à gauche, mais on va sur la piste de droite, alors qu'ici, on va sur la piste de gauche. Et s'il n'y a pas d'autres voitures qui circulent, et ben, on risque d'oublier. Et c'est ça qui fait peur. C'est en fait qu'on a nos réflexes. Et en fait, j'ai peur que mes réflexes soient trop forts. Ou que dans un moment de stress, le réflexe prenne le dessus. Vous voyez un peu? Bref, je suis contente de ne pas conduire. Mon mari, je vois que pour lui, c'est un peu stressant. Après, il est hyper tendu. Mais voilà. Donc, il va m'amener en voiture à la boutique de laine et puis voilà, on ira acheter mes laines et voir les patrons de la boutique. Voilà, donc pour vous dire tout ça, c'était pour vous dire que le châle il avance un petit peu moins vite parce que voilà, je regarde la route avec mon mari aussi. Voilà, en plus notre voiture et ben elle a le volant du mauvais côté, si mauvais entre guillemets, si on compare aux Irlandais, ce qui fait qu'il n'a pas la bonne visibilité non plus. Voilà, imaginez-vous en France en train de conduire et imaginez que votre volant il est du côté de la côte main.
Alors, quand vous voulez faire un dépassement, vous n'avez pas forcément la même vision dans les virages, les petites routes de campagne. Voilà la voiture. Mais bon, c'est quand même sympa. Je suis contente de visiter un pays différent. Ici, le climat est différent de chez nous, ou peut-être pas. Je dirais qu'il fait plus frais. En France, j'habite en Île-de-France. Donc ici, on a facilement 3-4 degrés de moins. Et c'est une météo qui change tout au long de la journée. C'est fou, quoi. Et voilà, l'architecture est différente, les couleurs sont différentes. Je suis contente, voilà, de mon voyage, pratiquer l'anglais, chose que je ne faisais depuis longtemps. Je ne pratiquais pas l'anglais, qu'il était temps de faire sortir un peu l'anglais. Alors, je vais donc faire une petite pause ici, et puis après je vais vous montrer la visite, ce que je pourrais filmer de la visite de Stolen Stitches. La boutique se situe à Cork, pas au centre-ville, mais un peu en banlieue, enfin, si je comprends bien. Et puis voilà, donc je vois ce que j'arrive à vous montrer.